Intersport Bourg-en-Bresse, partenaire et équipementier du FCBP. Spécialiste de la vente de matériel de sport, l'équipe Intersport Cap Emeraude vous accueille du lundi au samedi de 9h30 à 20h dans votre centre commercial Cap Emeraude à Bourg. Retrouvez-nous sur le site intersportbourg-en-bresse.fr. Allez, fais vite la différence là, tout de suite, on met du rythme, on gagne les duels tout de suite, on met du mouvement, allez. Match, on va dire, difficile pour nous, hein, parce qu'on s'est vraiment fait tourner. De toute façon, on s'y attendait. Hein. Donc, les 8 niveaux d'équerre sont vraiment vus aujourd'hui. Mais ce que je retiens, c'est que Bourg nous a vachement respectés. Hein, ils sont venus avec une équipe pratiquement complète. Donc, c'est déjà bien. Voilà, si on avait eu un temps un petit peu plus clément, je pense qu'on aurait pu faire un peu plus de spectateurs et la fête a été plus grande. Bon, maintenant, ce que je peux souhaiter, c'est que nous, pour la Sredanienne, qu'on se mette tout de suite au championnat, parce que c'est la priorité du club déjà. Et puis que je souhaite bon vent à Bourg-Péronas, parce que je sais que c'est une équipe qui a l'habitude d'aller loin en Coupe de France, et le plus loin possible. On était venu là pour plusieurs objectifs. Le premier, bien sûr, c'est se qualifier. Je pense que c'était la moindre des choses face à l'AS Rodanienne aujourd'hui. Après, le deuxième, c'était de rentrer sans blesser. Ça, c'est le deuxième objectif atteint. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça a été sérieux. On a pris les choses comme il le fallait face à une équipe en plus qui n'a pas fermé le jeu, qui a joué son va-tout, et c'est tout à leur honneur d'ailleurs. Et bon, sur un bon terrain, donc voilà, tout était très bien, on va dire, aujourd'hui. Oui, dès cette semaine, là, dès demain à l'entraînement, déjà, on va commencer à regarder cette équipe de Colomiers. On sait que voilà, ça va être un match important pour rester dans le haut de tableau. Alors, on espère prendre les 3 points la semaine prochaine et c'est ce qu'on va s'atteler à faire et à travailler cette semaine pour pouvoir y arriver.